France Inter. Le 5-7. 5h42, l'esprit d'initiative, Emmanuel Moreau. Ce matin, pour favoriser les start-up qui manquent souvent de moyens lorsqu'elles se lancent, le réseau foncier Éthique s'engage pour favoriser leur démarrage et ce groupe, ce réseau, leur propose des bureaux au loyer modéré. Le patrimoine immobilier des communes est un secteur qui coûte cher d'entretien. Les municipalités en manque d'argent souhaitent soulager cette ligne budgétaire. Éthique.co a saisi là une opportunité. Elle propose d'acquérir ses locaux et de les restaurer afin d'y installer sous un même toit des start-up, des associations, des entreprises qui ont tout en commun de développer des activités liées au développement durable. Celles-ci peuvent ainsi bénéficier de bureaux à des prix très inférieurs à ceux du marché. Ce concept, initié en 1998 à Oxford, se développe de plus en plus en France grâce au soutien d'investisseurs pour qui la rentabilité n'est pas la première priorité. Alexandre Guilluy, vous êtes le directeur du développement de Éthique. Vous avez mis au point les BLM. Qu'est-ce que signifient ces trois lettres ? BLM, c'est pour bureau à loyer modéré. On a constaté qu'il y avait énormément de structures qui voulaient changer le monde sur des sujets sociaux, environnementaux, et qui étaient dans des bureaux qui n'étaient pas conçus pour le faire de manière efficace, et surtout qui le faisaient de manière isolée. Et donc, ce qu'on propose, nous, avec le bureau à loyer modéré, c'est de rassembler ces acteurs dans des lieux qui soient efficaces, beaux, peu chers. Alors vous êtes installé dans différents endroits, vous avez plusieurs lieux, à Montreuil, à Paris, à Lyon et bientôt à Castres. Ce sont des endroits où les loyers des bureaux sont extrêmement chers et du coup vous proposez une autre formule ? Alors il y a plusieurs choses, il y a le niveau de loyer et il y a la flexibilité. C'est-à-dire qu'une petite structure qui a 4 salariés et qui ne sait pas de quoi va être fait demain, s'engager sur un bail 3, 6, 9 et devoir payer ou s'engager sur du long terme comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc les propositions pour nous, elles sont claires, c'est 30% moins cher que le prix du marché et c'est surtout des baux flexibles. C'est-à-dire que dans un bail chez Éthique, vous pouvez sortir de manière beaucoup plus simple que sur un bail commercial classique. Mais quel type de bureaux vous proposez ? Ce sont des cabanes de chantier ? Non, on conçoit le bâtiment très en amont et donc on le conçoit autour des besoins des futurs locataires qui nous disent ce qui est réellement nécessaire. Tout va être sur l'efficacité du bâtiment. On ne va pas faire de faux plafonds, on ne va pas faire de dalles de moquettes au sol, etc. En revanche, on va avoir un profil énergétique du bâtiment qui va être excellent. On veut leur permettre également de gagner en crédibilité. On a eu plusieurs témoignages de structures, de petites structures de 3, 4, 5 salariés qui, pour la première fois, invitaient et étaient fiers de le faire, leurs banquiers, leurs commissaires aux comptes, leurs partenaires. Et d'un coup, ça change l'appréhension de la part de ces parties prenantes et ça accélère la capacité de ces acteurs. Qu'est-ce qui vous différencie d'un espace de coworking comme on en voit se créer un petit peu partout en France ? On a des espaces de coworking et c'est une de nos activités importantes chez Éthique. La seule différence, c'est les gens à qui on s'adresse. Aujourd'hui, Éthique, la promesse qu'on fait à nos parties prenantes, à nos actionnaires, à nos partenaires, aux collectivités locales avec lesquelles on travaille, c'est précisément de s'adresser aux gens et aux structures qui sont très impliquées sur des sujets sociaux, sur des sujets environnementaux. On a un écosystème de gens qui ne sont pas forcément rassemblés autour d'un secteur économique, mais autour de valeurs et qui ont notamment une envie forte de partager. Les gens qui viennent chez nous, et ça c'est un critère assez discriminant, c'est l'envie de partage. Il nous arrivait de dire non à certaines structures qui étaient parfaitement cœur de cible, mais qui avaient un problème à partager une cafetière. Si on ne sait pas partager une cafetière, a priori on va avoir du mal à partager des idées, des bonnes pratiques et ces recettes pour changer le monde. Ah, le et test. Et nous, est-ce qu'on partage bien la cafetière ? Ah, le test du partage de la cafetière, on l'a fait. On peut le dire qu'on le fait régulièrement, à peu près 5 fois tous les matins. L'esprit d'initiative, la chronique d'Emmanuel Moreau, c'est à réécouter sur franceinter.fr.